Eh bien, il a commencé c'est sa troisième saison. Il a commencé à 8 ans. Et pourquoi le rugby? Est-ce que c'est lui qui a choisi ou est-ce que c'est vous qui l'avez entraîné? Ah, j'ai fait un peu de rugby jeune, mais il a fait plusieurs sports. Après, il s'est orienté vers le rugby parce que ça lui plaisait. Et depuis, il est accro et il peut s'en passer. Hein. Magique, c'est magique. Pour un père qui faisait du rugby, je préfère voir sur un terrain de rugby. Plutôt que sur un terrain de foot. Hein. Alors, moi, Ange, c'est sa deuxième année. Il a commencé en U6, cette année, il est en U8. Non, moi, c'est la première année. Pour ma part, pour mon petit garçon, c'est lui qui a choisi. Pour un principe qu'il aime bien rentrer en contact, chose qui est différente avec le foot. Donc, moi, en fin de compte, son papa est très rugby, mais c'est lui qui a choisi quand même. Ah, ça me convient parfaitement. L'ambiance est beaucoup meilleure qu'au foot, donc chacun choisit sa partie, mais c'est plus convivial. Ouais. C'est plus famille, c'est voilà, entre amis. À 3,5 ans, elle est au top. C'est pour les parents, ça. Alors, on a les entraînements déjà 1h30 par semaine. Et ensuite, un week-end sur deux, il y a un plateau. Donc là, on part en déplacement. Une fois, c'est en Haute-Corse. Une fois, c'est sur Ajaccio. Voilà, en principe, on se déplace. On doit être sur le terrain à 10h en tenue. Donc quand on habite loin, on a au moins 3h de route, bien souvent. Mais ça va. Les petits arrivent motivés, bonne humeur. Tout se passe bien. Il y a une bonne ambiance, donc ça va. C'est quoi qui est bien au rugby? Tout. Les plaquages, les passes, et c'est ça tout. Ça, ben, le rugby, c'est bien comme sport. On se défoule bien. On peut, on s'amuse avec les copains.